scrutin, nom masculin désignant les opérations qui constituent une élection. La tête du scrutin dépend de l'élection à laquelle il correspond, un peu comme votre tête dépend de l'humeur de votre coiffeur. Techniquement, c'est pourtant simple, un bulletin dans une urne, une signature sur le registre et hop, le tour est joué. Mais un scrutin peut être uninominal, plurinominal, majoritaire et ou proportionnel. Bref, un scrutin peut parfois prendre des allures de choucroute capillaire. Il a une belle tête de vainqueur. Pour une élection municipale, le mode de scrutin dépend du nombre d'habitants dans la commune. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il est majoritaire, plurinominal, à deux tours. Un candidat est élu dès qu'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins un quart des inscrits. Pour les sièges restants, deuxième passage au bac à shampoing pour les électeurs. Pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est la nouveauté, il s'agit d'un scrutin proportionnel de liste à deux tours, avec prime majoritaire. Si c'est pas du bigoudi de compétition, ça, seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour peuvent se présenter au deuxième. Et au deuxième tour, la liste en tête... Comment elle va, la vedette ? Si, c'est drôle. Remporte la majorité des sièges, le reste de la bombe de lac est attribué à toutes les autres listes proportionnellement à leurs résultats. Autre nouveauté des municipales 2014 pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats à l'intercommunalité seront élus en même temps que les conseillers municipaux. Oula, les 23 et 30 mars, il y en a qui vont s'arracher les cheveux.